Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission des 5 ans de la chaîne. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le plateau des chiffres et des lettres. Vous connaissez bien sûr l'émission, mais avec moi, on va mélanger un petit peu les règles. On va faire connaissance tout de suite avec le millionnaire qui nous a fait un hold-up dans Qui veut gagner des millions. C'est bien sûr History Joe, bonjour. Bonjour Lolo, comment ça va? Très bien. Écoute, très heureux de te revoir. J'espère que tu vas perdre. Voilà. Non, est-ce que tu te sens bien dans cette émission? Oh bah, moi j'aime bien. Ouais. Donc c'est des lettres. Peut-être petite difficulté sur le calcul, mais ça va aller. Calcul mental, ouais, tout ça. Bon, on verra avec les tirages, c'est pas moi qui décide. Et donc tu feras face avec Alanik, bonjour. Salut Lolo. Comment ça va? Ça va. À l'aise? Ouais, on va dire. Ouais, il y a ta voix qui bug un peu, je ne pense pas. C'est pas sûr. Bon, écoutez, je vais vous expliquer les règles, qui est très simple. Pour la première manche, le mot le plus long et le compte est bon, il faudra choisir consonne ou voyelle. Ensuite, nous avons 4 duels et la finale pour gagner jusqu'à 800 euros. Et du coup, on va commencer tout de suite par le sésame que vous allez bien sûr l'utiliser pour la finale. Et aujourd'hui, c'est un sésame de lettres. Voici le tirage. U. T U C R M E A O et C. C'est parti. Ah, History. Accoutumé. Oui, c'est bien accoutumé. Bravo. Donc, tu gagnes donc le sésame. Et bien bravo. Donc, Alanik. Voilà. Mais bon. Hein on va commencer tout de suite par la première manche, le mot le plus long et le compte est bon. Alors, on va commencer par History Show, consonne voyelle. Consonne. F. Voyelle. A. Consonne. L. L. Consonne. C. Voyelle. U. Son. N. Consonne. M. Voyelle. U. Consonne. G. Son. Et enfin... History, combien de lettres? 6 lettres. Alanik. 3 lettres. D'accord. History avec 6 lettres. Désolé, je voulais dire 5 lettres, excuse-moi. Ah, ok. Alors avec quoi? Aucun. D'accord. Est-ce que tu en as un autre? Non, je n'ai que celui-là, désolé. Bon, bien le maximum c'était 7 lettres avec Pacfeng. Donc c'est un alliage naturel de cuivre, de nickel et de zinc. Voilà, tout simplement. Donc Pacfeng. Voilà, donc c'était le maximum. Donc ça nous fait 5 points pour History Joe. Alanik, t'inquiète pas, c'est que le début. Voici tout de suite un tirage de chiffres. Voici le tirage. 100, 5, 8, 8, 5,
et 50 pour trouver 743. C'est parti. Alors, on va faire history. Je suis à 790. D'accord. History. 8 fois 100, 800. 5 plus 5, 10. Mmh. 800 moins 10, 790. D'accord. Bon. Tu marques 7 points. Brouillité, il fallait faire 8 fois 100, 800. 800 moins 50, 750. 5 divisé par 5, 1. 8 moins 1, 7. Et 750 moins 7, 743. C'est pas grave. C'est pas grave, c'était voilà, un... tu peux le dire. Bon, Alanik, on est un petit peu dans le mal, là, non? Mais on va se ressaisir, hein, je l'espère. Donc, à toi de choisir entre consonne et voyelle. Voyelle. O. Consonne. S. Consonne. K. Voyelle. E. Consonne. M. Voyelle. I. Consonne. T. Voyelle. E. Consonne. F. Et enfin. Consonne. Le S, pardon. Alanik, combien de lettres as-tu? 6 lettres. 6, d'accord. History. 7. Avec. Émotif. D'accord. Au pluriel. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas. Un autre. Médite. Avec médite, un S. Médite. Non, il n'y a pas de D, donc ça ne marche pas. Ah, autant pour moi. Je me suis trompé. Donc, c'est pas grave. Alors, il y a eu 8 lettres avec Fais-toi. Donc, ça consiste à partager un repas copieux dans une ambiance joyeuse et en bonne compagnie. Et stomiser qui désigne un abouchement d'eau au niveau de l'abdomen. Mmh. Voilà. Bon courage avec la langue française. On apprend des mots dans cette émission. Bon. Donc, voici le tirage des chiffres. 8, 1, 1, 4, 4 et 9 pour trouver 557.
History. 558. D'accord. Ananik. 294. History. 4 plus 4, 8. 8 fois 8, 64. 1 plus 1, 2. 64 moins 2, 62. Et 62 fois 9, 558. Très bien, bah tu marques 10 points puisque on peut s'approcher à un point. Bravo. Alanik, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit que je suis mauvais. Ouais, mais bon, il faut se rattraper. Bon, c'est pas trop grave, hein, on est là pour s'amuser. C'est à History de commencer. Consonne. L. Alanik. Voyelle. O. Consonne. T. Alanik. Voyelle. O. Consonne. D. Personne. N. Voyelle. Personne. S. Voyelle. Le E. Voyez. Et le I. C'est parti. History. Lettres. D'accord. Alanik. Quatre lettres. History, ton 8 lettres. Des lions, DELIONS. Ok. Un autre, peut-être? Non, pas d'autres. Ok. Il y avait deux 9 lettres. Délétion, c'est une perte d'un fragment plus ou moins important d'ADN. Et solénoïde. C'est une bobine allongée constituée par un fil conducteur enroulé qui crée sur son axe un champ magnétique. Oh. Voilà. Bon, on va faire maintenant un coup de chiffre pour oublier tout ça. Voici maintenant le tirage. 6, 1, 8, 9, 3 et 4. Pour trouver 756. Alanik. 64. 664. Et sorry. Le compte est bon. Ok, vas-y. 4 fois 3, 12. 12 fois 9, 108. 8 moins 1, 7. 108 fois 7, 756. Bien, il y avait plusieurs manières de le faire, mais bravo, ça te fait donc 10 points. Alanik, on va pas trop en discuter. Voilà, tu peux toujours rattraper, ça c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas encore terminé, il reste encore deux coups de lettres et deux coups de chiffres. C'est à History Joe de commencer. Voyelle.
Ah. Ouais. U. Consonne. D. Consonne. N. Voyelle. O. Voyelle. A. Consonne. R. Consonne. G. Consonne. X. Consonne. Et B. Ah. On a perdu Napoléon. T'as pas... De toute façon, c'est fini. History. Cette lettre. Ok, Alanik. Ridicule, les trois lettres. Que trois lettres. History avec 7. Bagnard. Un autre. Pas d'autre. Ok. Il y avait Bagadou en 7 et en... Ça fait trop profil pendant ça. Bienvenue à Bagayou. Et il y avait en 8 Gandoura. C'est une tunique sans manches qui se porte en Afrique du Nord. Oh, ça peut faire. Bienvenue à Gondoula. C'est une tunique en, Amérique, en Afrique du Nord sous Ouais. le Burnou. Donc, nous sommes partis pour un Bienvenue à coup de Bagayou. chiffre. Voici le tirage. 2, 10, 1, 8, 1, 3. Pour trouver 320. 920, pardon. 920. Alanik. J'ai pas. Non, tu as pas. T'as History. cassé mon cerveau, Lolo. Pardon. Pardon, c'est ça. History. Non plus. Je n'aime pas. Okay. Pas vrai. De toute façon, le compte n'y était pas. Il faut arriver jusqu'à 960 pour gagner 10 points. Donc voici comment on le fait. 2 plus 1, 3. 3 fois 10, 30. 30 fois 8, 240. 1 plus 3, 4 et 240 fois 4, 960. Là, je l'avais pas. Un petit peu difficile celui-ci. Plus que les autres. Donc personne ne gagne de points. Donc c'est le dernier coup de lettre et celui qui est en retard, eh bien c'est Alanik de commencer. Voyelle. E. Consonne. V. Voyelle. E. Consonne. G. Fatiguée plus que toi. Je suis fatiguée plus Consonne. que toi. J. Peux-tu répéter Consonne. la question? P. Voyelle. Le A. History. Consonne. Le G. Consonne. R. Et enfin, History. Voyelle. Le E.
Alanik, combien de lettres? Quatre. 4 lettres. History. Sept. Avec quoi? Repavé. Un autre. Non, l'autre. Il y avait RPG, cette lettre c'était le maximum, donc RPG, donc c'est un accord musical dont on égrène les notes pour toutes les entendre, voilà, tout simplement. Ça nous fait 7 points supplémentaires pour History. Même si RPG se dit arpège, je Non, non, pense. non, non, il y a 2 E à la fin, c'est un nom féminin. Ah, non, parce que je pensais aux notes de musique, l'arpège, Bah mais pas oui, c'est ça. l'arpège. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous allons donc passer au dernier coup de chiffre. Oh. Donc, bien voici le tirage qui s'affiche. 8, 25, 1, 8, 6, 10 pour trouver 939. History Joe Le compte est bon. et Alanik. Le compte n'est pas du tout bon, mais pas du tout. Je suis History. loin, loin, loin. History. 8 x 8, 64. 64 moins 1, 63. 25 moins 10, 15. 63 fois 15, 945. 945 moins 6, 939. Eh bien, bravo. Trop fort. 10 points supplémentaires pour History Joe. Pour l'artiste. Ouais, chapeau. Donc, c'est la fin de cette première manche. Récapitulatif des points. 70 points pour History Joe. Et Alanik, on va pas en parler Le du même tout. score. Voici la deuxième manche qui sont les duels. Dix points par duel. Mettez-vous devant votre buzzer, s'il vous plaît, messieurs. Merci. On va commencer par un duel traditionnel. Donc, le thème course célèbre. Course célèbre. Et voici le tirage. KRAPISRAA et D. On cherche une course célèbre. Ah, History. Paris-Dakar. Oui, bien joué. Alanik, c'est ce que tu voulais dire? Ouais. Oh non! Oh là là, bon, malheureusement, les 10 points reviennent à History. Nous sommes à 80 à 0. On va maintenant passer par un duel d'orthographe. Il faut donc me dire Pourquoi nous? comment s'écrit le mot inéligibilité. Inéligibilité. C'est parti. Répète. Inéligibilité. C'est même ça, t'arrives pas à le prononcer. C'est pour vous. History. Inéligibilité. Ah bah ça nous fait 10 points supplémentaires. C'est bien joué.
90 points pour History Joe et Alanik. Voilà. Nous allons donc passer pour un duel. Malheureusement, c'est un duel de calcul mental. Donc, bien sûr, les calculatrices sont interdites. Voilà. Il faudra donc de faire de tête. Je vous souhaite bonne chance. C'est parti. 22 x 4 plus 3 x 5 moins 364 divisé par 7. Il bouge bien. Aïe. Personne. Attends, ça s'achève. Ah, c'est fini, malheureusement, c'est fini. Mais comment ? Non. Ok. Non, j'ai pas. Alors, il faut faire. Alors, 22 x 4, 88. Plus 3, 91. 91 x 5, 455. 455 moins 364, il faut retenir. Il faut arriver à 91. Et 91 divisé par 7, 13. Impossible de tête. Voilà. C'est possible de tête. Impossible. C'est pas grave. Toi-même, tu l'aurais fait de tête. Toi-même. Je l'aurais fait, mais l'addition, la division, je suis très mauvais, donc je sais pas. Mais je serais arrivé à la fin. Alors. Je suis arrivé à peu près à la fin des parenthèses, mais après, j'avais pas le reste. Ah. Ouais, pareil. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous n'avez pas marqué de points et nous sommes partis pour un dernier duel qui est le l'un dans l'autre. Donc, la définition du mot propre, c'est l'un d'eux est chez nous. Il faut trouver un 10 lettres. Et le nom commun, certains meurtriers. Certains meurtriers. Voici le tirage. GNRAERETUEL. Nom propre, l'un d'eux est chez nous, le nom commun, certains meurtriers. Faut donc trouver un 10 lettres. Oh, certains meurtriers, vous l'avez pas ? Non, j'ai pas. Non, je vois pas. Étrangleur, ça c'était 10 lettres, et l'un d'eux est chez nous, c'est Laurent. Laurent Romeshko. Oh, voilà. Bon, c'est la fin de cette manche, et donc notre finaliste est History Joe. Bravo! Félicitations! Bravo à Alanik! Voilà, tu es venu pour jouer. Et je te félicite pour le parcours. Non, il faut pas dire ça. Non. Non, tu vois, moi, j'avais dit que j'allais perdre à Fort Boyard, mais non. Ouais, mais c'est différent. Oui, je sais, mais bon, voilà, il faut pas dire ça. Bravo à toi, tu es le bienvenu, tu pourras revenir quand tu veux. Et History Joe. En finale ? Ah bon ? C'est bon ? Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la finale d'History Joe. On est de retour sur le plateau des chiffres et des lettres avec History Joe, notre finaliste. Comment ça va ? Ça va, très bien. Ça va ? Pas trop stressé ? Un peu si, quand même. Oui. Bon. Je vais t'expliquer, tu auras 2 minutes, 8 mots à trouver, de 7 à 10 lettres, bien sûr. Tu as le sésame, tu pourras l'utiliser quand tu veux, et tu pourras passer quand tu veux. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Es-tu prêt ? Je suis prêt. Très bien. Top, c'est parti. 7 lettres.
Non, j'ai pas. Je passe. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. Je passe, je sais pas. 10 lettres. Je passe. 7 lettres. Sésame. Néfier. 8 lettres. Non, je sais pas, je sais pas. Non. Ok, stop, c'est terminé. Bon, 100 euros. Le premier 7 lettres, c'était Hérodan. Le 8 lettres, rationné. Balnéaire, en 9 lettres. Soupirant, le 10 lettres. Et enfin, le dernier 8 lettres que tu n'as pas pu trouver, c'était tactile au pluriel. Oh. Donc tu vas bien sûr revenir pour la prochaine fois pour retenter ta chance et... néanmoins réessayer cette finale. Et donc voilà, Alani qui peut bien sûr nous rejoindre pour terminer l'émission. Bon, et eh bien écoutez, voilà, c'était tout pour cette première émission des chiffres et des lettres. J'espère que ça vous a plu. Pour cette première, on s'est bien marré. Et donc j'espère que voilà, cette émission va pouvoir continuer. Voilà, avec bien sûr de nouveaux candidats et bien sûr History Joe en champion. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Merci à tous, c'était Le Boyard. À la prochaine, salut! Salut!